Mes amis, vous savez à quoi doit ressembler notre vie? À ça. À des travaux. Parce que vous savez, quand on voit ça, on peut dire, oh mais tout est cassé. Mais tout est cassé, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Tout est cassé, ça ressemble à rien, mais c'est quoi ça? Mais d'un autre côté, on peut se dire, waouh, s'il y a des travaux qui sont faits, ça veut dire qu'il y aura quelque chose de beau et de neuf. C'est exactement la même chose dans notre Shalom Bayit. On est sans arrêt en travaux en fait. Donc en fait, on construit, après on peut dire, mais non, mais tout est cassé, Rav, mais je m'en sors pas, c'est quoi cette catastrophe? Regardez un peu à quoi ressemble mon couple, mais c'est une catastrophe. Dans l'éducation des enfants, c'est la même chose, mais regardez mes enfants, mais j'arrive même pas à leur parler, Rav, mais c'est horrible, mais regardez, 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 ça ressemble à ça. Oui, mais si ça ressemble à ça veut dire qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire après, et quelque chose de magnifique. Ne jamais l'oublier, Bracha Vatzlacha, passe un excellent Shabbat et vivez heureux.